Trafic toujours perturbé à la SNCF avec comme hier un TGV sur deux, un TER sur trois, mais la SNCF a tenu sa promesse. 14 TGV ont été spécialement affrétés pour faire voyager les enfants seuls. Vous avez assisté, Pierre Herbulot, au départ de l'un de ces trains Gare de Lyon à Paris. On va dire que c'était le soulagement pour les familles. Oui, soulagement de mettre son ou ses enfants dans un train, de s'éviter surtout, faut le dire, des heures et des heures de route. Parce que les parents que j'ai rencontrés s'attendaient tous, hier encore, à devoir rouler aujourd'hui jusqu'à Lyon ou au-delà. Laurent vient de déposer sa fille Margot, 7 ans, à la gare. Coup de bol, on a eu un message de la SNCF et du coup, on a pu lui prendre un billet au dernier moment. Ça s'est joué hier soir ? Hier soir, oui. J'avais pris un hôtel à Lyon, donc j'ai dû annuler l'hôtel à Lyon. Donc j'ai perdu ma réservation à Lyon, mais au moins elle part. Très très soulagé. Pour tout le monde, c'est bien pour tout le monde. Maintenant, on espère juste le retour. Donc on croise les doigts. T'es contente de pouvoir prendre le train ? Bah oui, sinon comment je vais aller là-bas ? Et juste à côté, j'ai rencontré Victoire, un an plus âgée, qui avait peur de rater son beau programme de Noël chez ses grands-parents. Bah jouer avec le chien et je vais profiter de ma copine qui s'appelle Anaïs. Je suis contente de passer un Noël. Bah parce que je vais voir mes grands-parents. T'avais peur de pas pouvoir y aller ? Bah oui. Excusez-moi les parents, le but c'est vraiment d'encadrer les enfants. Donc s'il vous plaît, avancez au niveau des enfants, merci. C'est parti, 100 enfants se dirigent en file indienne, casquette blanche sur la tête vers le précieux train. Quand soudain, le drame pour la petite Margot qu'on a entendue il y a 30 secondes. Un petit peu. Pas assez. J'ai oublié ma lettre à la maison. Oh là là. La liste de Noël oubliée alors qu'il y avait un train, dommage. Bon, les parents m'ont assuré qu'ils allaient la poster dans la journée à sa place. Et puis j'ai vérifié, Fabienne, le Père Noël n'a pas déposé de préavis de grève. Donc pas d'inquiétude à avoir en plus pour la livraison des cadeaux. Pierre Herbulot, Gare de Lyon, donc à Paris ce matin pour Europe 1.